Alors je me présente, je m'appelle David Azocotte. J'ai pas toujours été dans l'humour en fait, avant moi j'étais dans la pub, qui est créatif dans une grande agence parisienne que je nommerai pas, mais qui s'appelle Havas. J'ai arrêté la pub, j'en ai marre de mentir tout le temps, c'est quand même ça le boulot. Hein. Vous avez vu le scandale Volkswagen il y a pas longtemps? Pardon, le scandale, tout de suite les grands mots, je veux dire, des Allemands, des gaz toxiques. Ouais, la nouveauté. En fait, j'en avais un petit peu marre de vendre du bonheur tout le temps. Je sais pas si ça se voit, mais moi, je suis pas un mec hyper joyeux. Je suis pas vraiment un mec désigual, quoi. Désigual, tout le monde voit les fringues dessinées par des aveugles pour les daltoniens. Ouais. Ouais, alors, bah, en ce moment, en plus, c'est dur en ce moment, tu vois. En ce moment, l'atmosphère est un peu pesante, on va pas se mentir, hein. C'est chaud, je veux dire, c'est chaud. Enfin, c'est chaud pour les musulmans, surtout. Ah ouais? Ah ouais, c'est chaud, il y a tous ces gens qui disent « Oui, le Coran est un ouvrage violent !» Bah non, vous avez ouvert la Bible? L'Ancien Testament, ça manque de licorne, non? Après, bon, j'aime pas les éléments de langage, c'est ce que t'entends souvent, genre « Oui, tout cela n'a rien à voir avec l'islam !» Regardez les mecs au Bataclan, ils sont pas rentrés en criant « L'hiver approche hein. !» Mais non! Je veux dire, c'est idiot de dire ça n'a rien à voir avec l'islam, tu vois. C'est comme dire l'Inquisition n'a rien à voir avec l'Église catholique, hein, ou la Shoah n'a rien à voir avec l'Allemagne. Hein. C'est comme rejeter son gamin handicapé en disant ça n'a rien à voir avec mes couilles. Hein. Un peu quand même. Oh, il compare les handicapés et les djihadistes. Ouais, c'est vrai que les handicapés roulent moins vite. Il y a aussi des gens qui disent oui, c'est pas des vrais musulmans qui ont fait ça, c'est des gens qui n'ont jamais lu le Coran. Mais je m'en fous, moi, je doute bien que dans le Coran, il n'y a pas marqué « Tu paraderas en 4x4 Toyota déguisé en fantomètre, hein ?» J'ai pas leur faire un quiz de théologie quand ils sont en train de me tirer dessus, non plus, tu vois. Genre « Vous êtes un vrai musulman ou pas ?»« Allah Akbar !»« Ouais, mais ça prouve rien hein !»« Ouais, je sais, mais je suis pas au top niveau SWAT !»« Haha, vous êtes pas un vrai !»« Ta 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 !» Trop tôt. Trop tôt, je m'en rends bien compte. En fait, moi, je pense qu'en règle générale, pour tous les textes sacrés, il faudrait des émoticônes. Tu vois, pour donner un peu le vibe, quoi. Tu vois, du genre, lapider les femmes adultères, smiley, clin d'œil. Voilà. Tout de suite, on comprend. Hein, c'était pour déconner. Alors après, les gens me disent souvent, oui, mais qu'est-ce qu'on fait des djihadistes qui sont déjà là, qui n'aiment plus la France? Moi, j'ai bien une solution, puisqu'ils n'aiment plus la France, on leur crée leur pays pour eux. Tu vois, genre la connardie, ou le fils de putistan. Après, c'est clair, tu vois, pour les douaniers, c'est plus simple, genre, passeport. Oh bah, vous êtes un connard! Oui, effectivement, oui. Ah, mais vous avez grossi depuis la photo. Hein. Ouais, je suis devenu un gros fils de pute. Ah, vous êtes binational. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, bonne soirée.